Ça a été une suite de meetings ponctués par des voyages dans un petit avion de tourisme, puisque c'était ce fameux pilote là qui avait servi dans l'armée israélienne, petit aventuriste, mais ça lui plaisait, il trouvait ça chouette, qu'on avait du culot. Et du coup, comme il adorait piloter, il nous a mis son avion et lui-même à notre service. Donc on passait notre vie entre les meetings, les sauts de puce dans ce petit avion où j'avais les jetons. Et Ernest Mandel et nous, on faisait l'aller-retour dans les barricades, 22 rue Gay-Lussac, puis des barricades, puis 22 rue Gay-Lussac. On a comme ça été dans les barricades. C'est là où j'ai vu des barricades très bien faites, celles dont j'ai parlé, Boulevard Saint-Michel, d'autres faites en dépit du bon sens devant des impasses, notamment rue Gay-Lussac. On a tenu jusqu'à 3 heures du matin où les flics ne sont pas intervenus. Vers 2-3 heures du matin, la police a eu pour ordre de liquider les barricades. Ça a été très violent, moins qu'en Amérique latine, moins que dans d'autres pays où c'était surtout étudiants, mais ça a été quand même plusieurs centaines de blessés. Vous pouvez gémir et vous gémirez encore, bureaucrates de tout acabit, car désormais, une nouvelle génération révolutionnaire est née en France et dans tous les pays du monde, qui n'acceptent plus cette politique de capitulation et qui, en ce qui nous concerne, est prête aujourd'hui et se donne tous les moyens pour reprendre jusqu'à la victoire finale le combat de mai et juin 1968. C'est toute la logique d'un système qui est en cause, d'un système où tout ce qui est produit l'est uniquement en fonction du profit et non pas pour satisfaire les besoins des gens. D'un système, par exemple, où les frais de publicité en France représentent le double du budget de la santé, où l'armée coûte plus cher que l'école. D'un système où, malgré les progrès scientifiques, les conditions de travail et de vie sont de plus en plus pénibles. Nous avertissons François Mitterrand. Nous ne voulons pas d'un gouvernement d'Immolet, Willy Brandt ou Wilson. Nous voulons réellement changer la vie. Mais pour cela, il ne peut pas y avoir de trêve avec le patronat. Ce dernier congrès de la LCR est un peu exceptionnel, un peu particulier. Aucun d'entre nous, jusqu'à présent, même les plus habitués des congrès, n'avons participé à un congrès de dissolution. Alors la dissolution, on connaît, puisque nous avons déjà été dissous deux fois, mais c'était par le gouvernement, et cette fois-ci, c'est nous qui allons voter notre propre dissolution. Moi, les seuls souvenirs que j'ai, c'est d'avoir été un objet en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis sorti où l'esprit de la caserne n'était pas tellement l'esprit de la Ligue. En plus, je n'avais pas été au congrès de fondation, puisque ça a eu en Allemagne, moi j'étais à la caserne. Et je n'ai donc pas participé au choix du candidat. Et je veux dire, je suis débarqué illico, quoi, conf de presse. En plus, à l'époque, personne n'avait l'habitude de mener une campagne électorale ni une campagne présidentielle. Je suis d'une part scandalisé par la banalisation de Le Pen et de sa bande de racistes qui a été faite pendant cette campagne électorale, scandalisé par la banalisation du crime, et qui n'est pas une bavure pour nous, mais c'est l'image même de ce qu'est le fascisme. On s'attaque d'abord aux immigrés, et puis maintenant aux militants de gauche, et enfin scandalisé par l'absence totale de réaction d'ampleur nationale face à un tel crime qui risque d'être un précédent. Il y a deux semaines, dans cette France de Giscard, un homme de 25 ans est mort de faim et de froid à Sochaux. C'était un ouvrier de Peugeot. Il avait été licencié par son patron. Il avait perdu en même temps son travail et son logement. Il vivait dans un hangar près de son usine. C'est un huissier qui l'a découvert. Il venait lui apporter une convocation pour le tribunal. Il était mort depuis 3 jours.
il ne pesait plus que 40 kilos. Et la police a conclu à une mort naturelle. Et que faisait Giscard pendant ce temps-là? Eh bien, il suffit de lire la presse. Je lis. Monsieur Giscard d'Estaing, accompagné de son fils Henri, a participé à une chasse aux faisans et aux daims sur les terres du comte de Beaumont à Diebolsheim, dans le Bas-Rhin. Il a assisté à une messe au château samedi soir. Les chasseurs se déplaçaient en caravane, transformée en salon. Le tableau de chasse s'élève à 300 pièces. Monsieur Giscard d'Estaing a regagné Paris dimanche soir par avion spécial. Voilà. Je n'invente rien. C'est cela aussi la France de Giscard. Et il n'est pas possible d'en reprendre pour 7 ans. Oui, avec la 4e internationale, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. En politique, je pense jamais, Jean. En politique, jamais. Parce que ça n'a aucun intérêt. La politique, par définition, c'est d'essayer de susciter une réflexion et une action collective. Par définition. Donc, la priorité, jamais je. Bon, d'abord, c'est différent de lire un journal papier, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est peut-être un vieux schnock. Deuxièmement, ça permet une présence militante. C'est très important. Moi, je sais qu'à Saint-Denis, depuis des années, on est là tous les dimanches sur le marché à vendre le journal, même si on en vend peu. C'est une présence. Les gens viennent nous voir, ils ont plein de choses à nous demander. Bon, c'est très important dans les manifestations aussi. En plus, moi, j'ai pas l'habitude de lire. C'est un défaut. Mmh. Et dans les meetings, j'ai des notes. Mais en règle générale, je ne lis pas. Parce que je pense que quand on lit, soit on n'arrive pas à sortir de son texte, soit, si on sort de son texte, on risque de perdre les... Et du coup, on ne sent pas la salle, on n'arrive pas à s'adresser directement aux gens. Et je trouve qu'on est plus emmerdant quand on lit que quand on ne lit pas. Mmh. Donc il faut avoir des notes pour bien avoir le plan. Et puis après, il faut sentir et y aller. Je crois que la révolution d'octobre, ça fait partie d'un de ces rares moments d'histoire où c'est la révolte des pauvres, des humiliés, de tous ceux qui ont été exploités pendant des années et des années. Il y a quelques mouvements dans l'histoire qui, je crois, resteront à jamais. Bon, on peut parler de la révolte de Spartacus, la révolte des esclaves. Je crois que la révolution russe apparaît comme la première grande révolte des humiliés, des exploités, des opprimés. Eh bien, pour la première fois, un militant révolutionnaire a la possibilité de s'exprimer devant vous. Cette possibilité n'est pas le résultat d'une quelconque élection. Cette possibilité n'est pas non plus le résultat de la bonne volonté de l'officine de propagande gouvernementale qu'est aujourd'hui l'ORTF. Non, mais c'est vrai, quand je suis venu ici, j'étais un jeune communiste, hein, j'avais quoi, 16-17 ans. Et vu l'éducation que j'avais reçue, ouais, c'était le paradis. Parce que quand moi j'avais adhéré au PC, c'était pour la révolution, pour le socialisme et tout. J'arrive en Russie, moi j'étais fou de joie, j'étais enfin en Union soviétique. C'était le vrai paradis, tout était beau, tout était magnifique. En plus, on avait un statut d'étranger, donc on voyait rien. On voyait pas la misère, on voyait rien. Donc c'est vrai que c'est absolument, je trouvais même que les odeurs étaient particulières, que les flics étaient beaux, donc c'est pas tellement mon genre. Enfin bref, tout était beau, c'était absolument le paradis. À vivre, je ne sais pas si c'était vivre, mais je me sentais absolument heureux. On a été malade à un moment, par exemple, on avait tous eu une grippe, on nous a envoyés à l'hôpital. Mais j'étais quasiment content d'être à l'hôpital. C'est l'hôpital du socialisme, les infirmières étaient des communistes, tout le monde est communiste, quoi. C'est vrai, quand on est un môme. Pour nous, un parti politique, à la différence d'une secte, n'a jamais été un but en soi. Le parti politique, c'est un outil. Le but reste le même, bien sûr, aujourd'hui, c'est changer de société, renverser le capitalisme, construire une société nouvelle, une société socialiste. Dans le premier rouge,
En fait, on avait peu de professionnels, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ça a été un peu d'amateurisme. On avait cet énorme auto qu'on a été acheté en pièces détachées en Angleterre, une auto d'occasion. Et puis bon, il y a des camarades qui sont formés, notamment avec un copain suisse qui connaissait bien la profession pendant plusieurs semaines, puis après c'est parti. Donc le premier numéro, ben non, ça a été très émouvant, quoi, parce que bon, le premier numéro s'en est à peu près bien sorti. Après, il y a eu des difficultés, notamment il y a eu une nuit, puisque ça se passait très tard ou très tôt la nuit, il y a eu un moment où le journal est sorti et des plaques étaient à l'envers, donc il y avait deux pages qui étaient complètement illisibles, ou alors pour les lire, il fallait mettre une glace. On s'est dit, où on loupe les NMPP, où on garde les deux pages à l'envers, bon, le reste était lisible. Donc finalement, on est sorti comme ça. Ça serait terrible de plus rêver. Ça voudrait dire qu'on est complètement ou conservateur, ou desséché, ou borné. Je veux dire, les gens qui ne rêvent pas, d'une façon générale, c'est inquiétant. Mais alors, en plus, si en politique, on n'a pas une part de rêve dans la tête, je sais pas, moi, il faut devenir banquier. Celui qui parle, qui a dirigé la lutte à Nanterre pendant la grève des étudiants, qui dans les assemblées générales était extrêmement reconnu et tout en étant militant politique, mais c'est un des seuls qui passait la rampe. Bon, en même temps, moi je le trouve sectaire, mais enfin ça c'est lourd. Hein. Bien là, le drame, c'est que Staline a fait tous ces crimes au nom du communisme, c'est-à-dire un idéal dont on se réclame, au nom du socialisme. Et tous ces crimes ont été faits pendant des dizaines d'années et finalement ont complètement discrédité pour des millions de gens, à commencer ici, ont discrédité la cause du socialisme et du communisme. Donc d'un certain point de vue, je veux dire, ça, moi ça me heurte mille fois plus, parce que dans la mesure où je suis absolument toujours convaincu, quel que soit le mot, je pense que le mot maintenant risque d'être un peu perdu, communisme ou socialisme, dans la mesure où les valeurs sont combat, je pense, restent totalement et même plus que jamais d'actualité. Et enfin, 300 000 jeunes soldats qui perdent un an de leur existence. Le crâne rasé, la cervelle lavée. De se retrouver assis à une table avec toutes les caméras, le voyant rouge, le compteur. À l'époque, on n'avait aucun dispositif pour filmer dehors ou rien. Tout était établi. Il fallait être derrière un bureau, assis, ne pas bouger, s'adresser à une caméra et réciter son machin. Il n'y avait pas de téléprompteur. Donc, soit il fallait la prendre par cœur, soit il fallait regarder la feuille. Et puis, les minutes qui s'égrènent, le rouge qui s'allume. Enfin, c'est glaçant. Et on avait, je crois, quatre répétitions possibles. Et c'est atroce, parce qu'on voit rien, on sait qu'il y a des millions de gens qui vous regardent, on pense à vos copains, et on se dit, si je fais une connerie déjà pour eux, c'est terrible, parce que quelle responsabilité. Depuis la formation de la Ligue jusqu'à aujourd'hui, notre histoire, elle est parsemée de tentatives de rassemblement avec d'autres groupes. Le problème, c'est qu'elles ont toutes échoué. Mais pour ne prendre qu'un modeste exemple, la troisième fois où je devais être candidat à la présidence de la République, c'était en 88. Bon, on s'est effacé et on a donné nos signatures d'élus à un type que beaucoup de gens connaissent plus aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Juquin et qui était un dissident du Parti communiste. Le vote utile. Le seul vote utile, c'est de se prononcer en fonction de ses convictions profondes. Ne soyons pas dupes. Disons ce que nous voulons
et ce que nous ne voulons pas. Parce qu'on ne construit pas le socialisme par surprise, ou alors on surprend la classe ouvrière, mais pas la bourgeoisie.